Good morning, Aleid, on étudie aujourd'hui le Nishmat Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Hanna Rachel, Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, Sekhé ben Fouad, Avraham, Uri ben Reut, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Zrachim, Perek Tet, Mishnah Dalet. Keshem Sheim Alou, Lo Yerdou, Kach Im Yerdou, Lo Yalou, Vekulan Shalou, Chaim Lerosh, Hamiz Beach. Yerdou, Ola, Shealta, Chaya, le Rosh HaMizbeach, Tered, Shachata, le Rosh HaMizbeach, Yavshit, Vinateach, Bimkoma. On continue à parler dans notre Mishnah du super sujet qu'on a découvert, le din de Im Alou, Lo Yerdou, le Olim, que si on est monté avec un korban qui était invalide, on est monté sur le Mizbeach. Alors la Torah m'a prescrit, m'a dit, si déjà t'arrives en haut, continue à les jeter au feu. On apprenait dans la Mishnah Bet dans quel cadre la Torah m'a dit de le faire. Dans la Mishnah Gimel, dans quel cadre la Torah ne m'a pas permis de le faire. Succinctement, il y a ce qu'on appelait les psoul bakodesh et les psoul intrinsèques. Psoul bakodesh, c'est que le korban, il est foncièrement bon pour le misbéach. Seulement, il a mal été apporté au misbéach. Il y a eu une erreur, ça a été impurifié, ça a passé la nuit. Il y a eu différents types de problèmes qui ont surgi ensuite, mais le korban, dans son espèce, dans son être, il était apte à être un bon korban. Alors sur ces korbanotes-là, la Mishnah Bet m'enseignait, si tu arrives en haut, continue. Mais dans la Mishnah Gemel, on ne dit pas contre, lorsque c'est des psoul intrinsèques, que c'est des animaux qui étaient complètement inaptes à monter en korban, parce que c'était... Ils ont été des objets de Avodazara ou de Averot, ou ils étaient très failles, etc. Toutes sortes de corbanotes qui sont foncièrement inaptes. Alors la Mishnah m'enseignait que même si tu arrivais en haut du Mizbeach, tu les feras redescendre. Et pour le moment, on commence déjà la Mishnah qui m'enseigne. Keshem Sheim Alou Lo Yerdou, Kach Im Yerdou Lo Yalou. Au même titre que je t'ai appris, que si toutefois tu arrivais en haut, on ne te dira pas de redescendre, on te dira de continuer à les jeter au feu. Si toutefois, par erreur, le Kohen, une fois qu'il était en haut, il est redescendu en bas avec ses membres, alors on va te dire là-haut, là cette fois-ci, non. Si t'es déjà redescendu, ne remonte plus de nouveau. D'accord ? Principe clair, simple pour le moment. Étant donné que le Korban, il est foncièrement, il est inapte en théorie, il est plus apte à monter sur le Mizbeach, alors certes, je vous avais donné un petit peu une parabole pour comprendre l'histoire. A priori, tu n'apportes que du bon vin au Mizbeach, au roi. Tu rentres qu'avec du bon vin. Donc, le roi, il ouvre la porte et les fidèles, ils apportent tous, chacun, son bon vin pour le roi. Il y en a un qui rentre avec une bouteille de vin médiocre. Il a eu une erreur. Il s'est trompé. Alors, on va lui dire, bon, si déjà t'es arrivé, donne-le quand même, c'est pas grave. Ce sera plus honteux de reprendre ta bouteille et de ressortir dehors. Tandis que lorsque si tu l'as amené une bouteille de jus d'orange, alors là, non, on avait parlé de vin, donc tu devras ressortir en arrière. D'accord ? C'est le principe un peu. Mishnah Bet, Mishnah Gimel. Donc de ce fait, si toutefois avec ta bonne bouteille de vin, tu as eu une envie pressante d'aller aux toilettes, tu as sorti dehors avec ta bouteille, on va te dire, tu sais quoi ? Si déjà tu es ressorti, ne rentre pas à l'intérieur. Tu as une mauvaise bouteille, tu as une bouteille médiocre. D'accord ? C'est le principe. Keshem Sheimadou, je fais des méchalim là un peu fort, mais bon, c'est l'idée. Keshem Sheimadou, Loyandou, au même titre que si le Korban, il est monté. On te permettra pas de le redescendre. Alors, kaf imyardou lo yalou, au même titre aussi, si toutefois tu es redescendu, on te dira pas de remonter sur le misbéach. Ok ? Précision, on apprendra dans la Mishnah Vav que c'est pas exactement. Il y a eu des fois où le korban, tu l'as déjà fait monter dans le feu. On en parlera lorsqu'on arrivera dans la Mishnah Vav. Retenez juste pour le moment ce que je vous dis, c'est que pour le moment on a parlé du cas où le korban n'a pas encore été jeté au feu. D'accord ? On est arrivé en haut. Le korban est encore là, qu'est-ce qu'on fait? On le met ou on le met pas? La Mishnah me dit, bon, si t'es là-haut, jette. Si toutefois t'es déjà redescendu, ne remonte pas. On apprendra dans la Mishnah Vav un cas particulier, le cas où le korban il a déjà été jeté au feu, que dans ce cas-là, si toutefois il est redescendu, tu devras le ramener. D'accord? On reverra ça dans la chaîne ensuite. Pour le moment, Vekulan She'alu Chaim Lerosh HaMizbeach Yirdu. La Mishnah m'enseigne quelque chose de particulier, que si toutefois tu avais ton korban, tu es monté alors qu'il est encore vivant. Ton corban qui est inapte, je vous feinte, il est inapte, comme ce qu'on apprend dans la Mishnah Bet. Tu es monté sur le Mizbeach, mais il est encore vivant. Alors la Mishnah me dit, cette fois-ci, là, tu le redescendras. Si toutefois,
il a déjà été disséqué et les membres ils arrivent en haut. Alors je te dis, tu sais quoi, jette-le au feu. Mais si l'animal il est encore vivant, alors et t'es arrivé en haut, tu devras le redescendre. Je continue tout de suite la Mishnah et puis après on revient, on expliquera pourquoi je vous ai fait une feinte. Parce que je vous ai exposé un cas qui est complètement faux, qui n'existe pas. Je vous expliquerai pourquoi. Pour le moment, je continue la Mishnah parce que j'aurai besoin des données qui sont véhiculées par la suite. Ola she'alta chaya le rosh hamisbeach. S'il y a eu un korban Ola, par exemple, en réalité ça marche avec tous les korbanot, qui est monté vivant sur le misbeach. Un vrai Ola, une Ola tmima, parfaite, aucun problème. Elle monte en haut du misbeach. Je la prends pour aller l'égorger au rang du misbeach. La Mishnah me dit Tered. Certes, on apprenait que le korban, on apprenait dans les premières Mishnayot, qu'en haut du misbeach, on peut quand même faire un korban. Ça existe de monter avec un animal vivant en haut du misbeach, de l'égorger là-haut, de récupérer le sang et de l'asperger. Il y avait même, on apprenait qu'il n'y avait même pas digne de tsafon, parce que le misbeach est toujours kasher. Donc le korban, il est kasher. Mais malgré tout, Rami nous ont dit non, tu redescends, on ne fait pas un korban là-haut. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu la réponse exacte. Je suppose que c'est à cause de certains problèmes que je vais vous dire juste après. Pour le moment, la Mishnah m'enseigne. Sache qu'une hola, une holocauste, que tu as amenée en haut du misbeach vivante, tu l'égorgeras là-haut, tu la disséqueras là-haut, et tu mettras les parts qu'il faut au feu, tu les jetteras au feu. Excusez-moi. Selon la Torah, ça marche. Je peux le faire. Mais la Mishnah m'enseignait malgré tout, je vous impose de redescendre, ne pas égorger le korban là-haut. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, Beolak Shera, malgré tout, c'est mis des rabananes. Il y a juste le Tiferet Israël qui a expliqué que c'était que des rabananes. Des afalgav, des midoreta moutar, le shachata sham, le chatrela, mais des rabananes assour. Ok. D'accord, mais des rabananes, il y a un interdit. On ne veut pas que tu le fasses. Malgré tout, si toutefois, Ashrata, Berosh HaMisbeach, Yavshit, Vinater, Beukoma, si toutefois tu l'as déjà égorgé là-haut, en haut du Misbeach, alors cette fois-ci, tu devras la disséquer et rester là-haut et la porter. Je m'explique. J'explique un peu mieux ce qu'il écrit. Il écrit que si je suis monté avec une Ola en haut du Misbeach, a priori, tant qu'elle est encore vivante, tu redescends et tu la fais en bas, et puis ensuite, tu feras monter les parts là-haut. Si toutefois, tu l'as déjà égorgé alors que tu étais là-haut, cette fois-ci, tu ne la feras pas redescendre. Parce qu'il y a le même principe du mépris du misbéach. Une fois que tu es arrivé là-haut, tu ne redescends pas. Donc tu restes là-haut et tu l'as fait entièrement là-haut. D'accord ? Ça, c'est pour une Ola qui était Kshira. Je ne sais pas pourquoi c'est interdit. Je suppose que je devine, en fait, pourquoi il pourrait y avoir quelques petits problèmes de faire un korban Ola là-haut, à part le fait que ce n'est pas pratique, certes. Mais essentiellement, il y a des petits problèmes techniques. Il y a des parts qui doivent nécessairement être lavées. Il y a tous les boyaux, les tripes à l'intérieur, où il faut les vider nécessairement. Or, où tu vas faire ça? Tu vas faire ça là-haut? Ça va pas, non. C'est sûr que ça, il faut descendre les frères en bas. Alors quoi? Tu vas faire le yo-yo, tu vas monter, tu vas redescendre. C'est pas digne pour le corban, donc peut-être qu'a priori, on préfère. Parce que de toute façon, tu vas devoir redescendre, remonter. Sûrement, je devine, hein, je l'ai vu écrit nulle part. Nulle part, j'ai regardé dans les Mefarshim qui sont sur le livre que j'ai devant moi, d'accord? J'ai pas cherché ailleurs. En tout cas, par rapport à ce qu'il y a ici, personne ne m'a expliqué, en tout cas dans ce que j'ai regardé. Et voilà. J'ai lu que je n'ai pas regardé. D'accord. Concrètement, peut-être c'est pas digne tout simplement d'ouvrir l'animal. Je sais pas. D'accord. Concrètement, en tout cas, on retient. Selon la Torah, je peux égorger un korban en haut du misbéach et là-bas le faire entièrement. Toutefois, Rami m'ont dit, je dois redescendre en bas. Si toutefois je l'ai égorgé alors que j'étais là-haut, je suis obligé de rester là-haut et de la finir entièrement, sauf pour les tripes, que je devrais les redescendre en bas, les laver en bas et remonter sur le misbeach pour les faire brûler. Ok, ça c'était pour le cas de là-haut. Je reviens maintenant au cas du milieu qui avait écrit à propos des korbanot psoulim, le fameux djinn de Imal ou Loirdou. La Mishnah m'enseignait que si toutefois tu es monté avec un korban vivant en haut du misbeach, tu redescendras. Ouais, apparemment. Une halakha claire, sauf que la halakha est fausse, telle qu'elle, en état, elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce que si vous faites attention, vous revenez sur la Mishnah Bet, vous verrez que là-bas, tous les cas de olim, de cas de korbanot qui sont montés par erreur, qu'on te dira de continuer à les faire, on parlait que de cas où ils ont été invalidés alors qu'ils étaient encore vivants, et alors qu'ils étaient déjà morts. On parlait que les membres ont traîné pour être brûlés sur le misbeach. Ça n'existe pas d'avoir un animal vivant, apparemment, avoir un animal vivant. Que im ala loyered, ça n'existe pas, ça n'a pas été évoqué. Si l'animal il est invalide alors qu'il est vivant, c'est qu'il a un autre problème, c'est qu'il appartient plutôt au groupe
des korbanot de la Mishnah Gimel et pas ceux de la Mishnah Bet, parce que dans la Mishnah Bet, on parlait de korbanot qui étaient psulo bakodesh, que le korban il était bien, il y avait juste eu un problème qui avait surgi au final, qui avait invalidé le korban a posteriori, mais on parlait que de cas où le korban était déjà mort. Donc, comment c'est possible que tu montes avec un korban qui est vivant, alors qu'il est, et qu'a posteriori il sera caché? De quoi tu parles? Tu parles de la Mishnah Gimel? Et réponse, oui, il y a un cas particulier dans la Mishnah Gimel, selon Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le seul qui a cette configuration possible. D'un animal vivant qui est inapte à être offert, a priori, mais qu'a posteriori qui sera caché si tout ça tu l'as gorgé. C'était le fameux cas avec les moumines, les petits défauts qui n'invalident pas dans les volailles, en fait, juste dans les bovins et dans les ovins. Par exemple, le cas des doukines chez Bain, des petites peaux, des petites croûtes qui poussent dans l'œil, que ça invalide un corban, certes. Mais sur ces types de korbanot, Rabbi Akiva t'enseignait que ceux-là, im alu lo yerdu, si toutefois tu les as fait monter, tu ne les feras pas descendre. La Mishnah vient me dire, sache que si toutefois tu les as fait monter alors qu'ils étaient encore vivants, tu seras obligé de les redescendre, et dans ce cas-là, ils ne remonteront plus. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.